Madrid, bienvenue à l'Estadio Santiago Bernabéu. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Première journée de phase de ligue dans cette Ligue des Champions. Le Real Madrid contre Manchester United. Le statut de favori, c'est flatteur et c'est même plutôt justifié. Mais l'équipe locale ne doit pas se laisser bercer par les éloges et rester concentrée sur l'objectif. En tout cas, le public est là pour leur transmettre toute l'énergie nécessaire et les pousser jusqu'au tour suivant. Qui débute donc côté Real Madrid, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois, Ferland Mendy avec Carvajal dans les couloirs, Jude Bellingham sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain et devant Kylian Mbappé. Manchester United, voici le 11 qui débute. On aime ou on n'aime pas, mais cette équipe, elle vit toujours au bord de la rupture. Oui, mais elle est comme le roseau. Elle plie, elle penche, elle recule. Mais à la fin, elle rend rarement. Elle se sent plus à l'aise contre son bloc et resserré, replie devant son but. Vous êtes un poète. En fait, elle vit davantage dans la rétention que dans l'extension. C'est certain. Le coup d'envoi de cette rencontre avec le Real Madrid qui a le ballon. Fede Valverde. Ce ballon aérien vers Vinicius. Oh, la tentative lointaine. Mais pour le gardien, là, c'est une affaire facile. Donc, Bruno Fernandes. Et le Real qui reprend ce ballon. Diogo Dalot. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Rodrigo. Et une progression à venir pour le Real Madrid. Fede Valverde avec le ballon. Attention, le bon ballon là. Goal, 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 goal. Lasso ! C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. Manchester United est mené d'un but. Rashford. Bruno Fernandes. Marcus Rashford. Fede Valverde. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. Et une passe lobée pour créer le danger. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Ah, il prend sa chance de loin, et au final, c'est un ballon pour le gardien. Et
Oui, attention à ce ballon-là. Ah, le gardien qui écarte bien le danger. Maïnou. Super pressing. Oh, il s'est bien servi. Ouh, la faute là, surtout dans cette position. C'est peut-être très cher. Et oui, la faute est très claire. Elle anéantit une action de but. L'exclusion est méritée. Oui, d'ailleurs, l'arbitre n'a pas hésité une seconde avant de sortir le carton. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Rodrigo. Oh, le ballon par-dessus. Perte de possession là. Mbappé peut-être pour reprendre. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est un pas. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Et la conclusion, tout en puissance, tout en équilibre, tout en énergie du grand Kylian Mbappé. Il est furieux le coach après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant, Marcus Rashford. Rashford. Man United qui tente de porter le danger. Ah non, finalement le ballon est perdu. Oh oui, c'est bien fait, il est passé. Ouh, Vinicius. Oh, le bon passeur, incroyable cette frappe qui touche le montant. Avoir une idée, c'est déjà magnifique. L'exécution était presque parfaite. Quel geste. Ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Il y a un gros pressing. Et ça joue sur Rodrigo. Ah, la bonne frappe. Et finalement, pas très dangereux. Ce tir capté par le gardien. Note. Le ballon en touche. Le Real qui ne semble pas vraiment avoir le contrôle de la possession, mais on voit très bien comment tu peux contrôler l'espace. Pas besoin de la possession pour maîtriser le match. Et sans surprise, on le voit, le ballon n'est pas leur priorité. Et il remporte son duel, bien défendu. Valverde. Ballon dangereux en profondeur. Intervention pour éloigner le danger. Excellente couverture de balle. Oui, le bon geste défensif avec Kylian Mbappé. Un peu de chance pour tenter une frappe. Et le gardien s'en saisit, c'est bien joué. La relance du gardien est un peu manquée. Dalot.
Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Et les voilà en possession du ballon. Ouais, dans la profondeur. Un ballon bien reçu dans la course. Une minute de temps additionnel. Ouh, Vinicius ! Et ça tape la barre, ballon toujours en jeu. Et le danger est éloigné. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Voilà une prestation de haute volée, grosse influence au milieu de terrain. Sa manière de jouer oxygène le jeu, il le fait décoller de ses pieds. Manchester United est en difficulté, le début de la deuxième mi-temps. De la liberté pour United dans le couloir. Grosse occasion pour réduire le score. Très bonne intervention dans la surface. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Il faut centrer là-dessus. Et pourquoi pas, de loin. Et le gardien s'emploie bien. De Rodrigo. Ah, danger n'est pas éloigné là. Vinicius la frappe. Et encore un troisième but d'avance, sans doute définitif pour assommer cette rencontre. Il y a de la beauté dans des petits détails techniques. Vous voyez ce plan de tir simple, précis, il me donne envie de chanter. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille? Le match qui reprend, et donc le Real qui est largement au-dessus, 3 buts d'écart. Note. Marcus Rashford. Très bonne intervention. Récupéré par United. Valverde. Bellingham à la réception. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ah non, ce ballon est perdu. Ah, c'est un centre en première intention. Très bonne intervention du gardien. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Le ballon qui est sorti, une remise en jeu pour Man United. Et un changement pour Manchester United. Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et oui, splendide pour éliminer l'adversaire. Mbappé la frappe. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Et oui, vamos! Le voilà, son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Il est furieux le coach après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Ah, le score est donc de 4-0. Marcus Rashford. Bruno Fernandes. Garnacho. Casemiro. Oui, c'est bien défendu. Ouais, le ballon par-dessus. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Ouais, la menace planait mais le danger est détourné. Offensivement, le Real interprète une partition idéale. Tout y est. C'est une symphonie des buts et des jeux offensifs. Et en plus, on voit qu'il y a encore de la marge. Attention, Kylian Mbappé. Frappe contrée. Le danger est toujours présent. Ah oui, c'est bien joué. Quel but. Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué. Ce n'est pas un but, ça. C'est une déclaration d'amour au football. À la valise, à la délicatesse. Et voilà un match complètement déséquilibré, 5 buts à rien. Casemiro. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Pas du monde en soutien. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ouais, ballon déposé en hauteur. Joli ballon par-dessus. Le ballon change de camp. Bellingham à la réception. Ah, la frappe, ça part bien. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien mis. Et changement pour Manchester United. Ah, il y a une faute là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Bien joué, bien présent à la tombée. Attention ce tir. Et quel tir surpuissant à mi-distance. Ça passe vraiment pas loin. Voilà, changement donc. Heulund. Attention, voilà un bon duel.
Ah non, ça n'ira pas plus loin, le ballon change de camp. Valverde. Ouais, la passe aérienne. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et ouais, c'est Rudiger là sur la trajectoire. Et un peu d'espace sur le côté. Le centre sur Rashford. Oh, l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Ouais, ce carton correspond à une faute commise au début de l'action, c'est bien arbitré. Vers le point de pénalty. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Et le contre est possible maintenant. Rodrigo avec le ballon. Oui, attention à ce ballon-là. Sur cette reprise de volée, un geste plein de spontanéité, c'est somptueux. Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Et pour conclure, c'est une frappe puissante de Kylian Mbappé, bien en équilibre, une balle parfaitement catapultée. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. La fin du temps réglementaire, la Champions League commence très bien pour le Real Madrid. Attaque, défense, milieu de terrain, leur talent a illuminé tous les secteurs du jeu et du terrain. Lumineuse prestation.